Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ici avec Jesse Spencer de Chicago Fire pour ce Facebook Live. Donc, si vous voulez poser vos questions, allez-y. En attendant, moi, j'ai quelques-unes pour commencer. Donc, je vais commencer tout de suite avec Jesse. Let's start with this question from Alexandre. Who are you the closest with on the set of Chicago Fire? Avec qui es-tu le plus proche sur le tournage? Like in, I guess, I don't know. I mean, we're pretty tight. Group there. La bande est très serrée tous ensemble déjà. Yeah, probably. I mean, in terms of, I bond with Eamon a lot because we both have to do American dialects. Voilà, je suis assez copain avec Eamon parce que tous les jours on est obligé de parler avec un accent américain puisque bien sûr j'étais d'Australie. Yeah, we have the same dialect coach, and then outside of that, I mean, Monica. I mean, we all hang out. Like, it's a pretty tight knit group, and I think the. Hopefully the audience, you know, can feel that, you know, the chemistry that happens. J'aime bien Monica aussi, mais je dirais vraiment, on est tous très serrés, très copains ensemble, et je crois que ça vous le sentez quand vous regardez l'émission. Here's another one from Melina. What common points do you have with Casey? Quels sont vos points communs avec Casey? He's, I don't know. I don't have that much in common with Casey. En fait, j'en ai pas beaucoup en commun avec Casey. He's, I mean, he's a leader. He's a natural-born leader. I tend to fly under the radar. En fait, lui, c'est vraiment un meneur. En fait, c'est quelqu'un qui est toujours devant, alors que moi, j'essaie de rester un peu en arrière. Yeah. Here's one from Renaud. Do you have other projects apart from the series Chicago Fire, for example, in the movie? Est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment à part Chicago Fire? Not for a long time. It's been a long time since I've done film, but TV takes up. All my time, and I keep doing these long-running series. Pas depuis un moment, il nous dit, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps de faire des séries à la télé, et comme il en fait depuis très très longtemps, il dit qu'il se concentre plutôt dans les séries télé et pas forcément sur les films. Here's one from Hamida. Is there anything you'd like to see happen to your character in season 5? Qu'est-ce que tu veux bien voir arriver à ton personnage dans la cinquième saison? I think the fans really want to see. Casey and Dawson get married. Je crois que les fans, ils veulent voir que Casey et Dawson se marient. But me? I don't know. Mais en ce qui me concerne, j'en sais rien. On verra quand sure. I mean, you know, if that's the way they want to go, that'd be great. It would be good to see. I mean, I think it would be nice to give the fans some like resolution in terms of those characters. Moi, j'ai dit pourquoi pas, ça serait bien de donner aux fans justement cette happy end, comme on dit, cette résolution à ces deux personnages. Okay, une question de Aurore. Are there a lot of pranks on set? If yes, who's the biggest prankster? Est-ce qu'il y a beaucoup de farces sur le tournage? C'est qui le plus gros farceur? David Eigenberg is he's kind of like the class clown. David Eigenberg est un peu comme le clown de la classe. Yeah, and Taylor's not far behind him. Taylor également, il n'est pas loin derrière. Yeah, and then I just try and make sure they don't get hurt. Et moi, j'essaie de m'assurer que personne ne se blesse. Yeah. Victoria next, the question from Victoria. Hi Jesse, Casey, Severin, and Bowden are all team leaders. What are the differences between them in terms of how they behave as team leaders? Où est la différence entre les personnages de Casey, Severin et Bowden en tant que leader de l'équipe? Wow. Well, it's a complicated question. I think, I mean, in terms of, I think they're all concerned about, well, number one is always getting safety. Yeah, I think the difference between them is, I mean, they try to, they have guidelines, but they're, like, just in their, it's their personalities, I think, that really lead them. I think they're all, I mean, I can see more similarities. En fait, moi, je vois plutôt des similarités que les différences, puisqu'on est tous obligés de suivre les mêmes règles, surtout quand il s'agit de la sécurité. Here's one from Olympia. If you could play in another show, another series, which one would it be and why? Si tu pourrais jouer dans une autre série, ce serait quelle série et pourquoi? I want to be in Chicago Law. Oh, il va être dans le prochain parce qu'il va avoir maintenant un quatrième dans la franchise Chicago Law. Il veut jouer là-dedans. I think it'd be nice to like have some sort of a political scandal and okay, so
J'aimerais bien avoir un scandale politique et de mettre Katie là-dedans. How do the crossovers work? Ça se passe comment les crossovers en fait, quand vous tournez en fait l'un et l'autre dans les I mean, it's difficult because of the schedule. It's hard to make it work, but it's an essential part of what we have is all the Chicago shows, you know, and they form each other. C'est difficile d'un point de vue planning, mais c'est très important parce que ça fait partie de la franchise et chaque série a son effet sur l'autre série. En attendant qu'on va voir quelques questions des autres téléspectateurs sur le Facebook Live, juste un mot sur ton rôle dans House. Just we're waiting for other questions. Just tell us a bit, we were talking before about how you spent 8 years on House. Yeah. What's your favorite memory of that time? Ton souvenir préféré de l'époque de House? Gosh, I mean, there's so many. I mean, we were literally, you know, trapped in a hospital for, you know, 8 years. But I really enjoyed the surgery part of it. It was very, you know, the special effects and the makeup. And I really enjoyed being very specific about what I was doing, you know, in terms of, you know, being a surgeon. It was like probably my favorite stuff, and I felt very comfortable there. My family were all doctors, so I, you know, I went and watched them do surgeries, and it kind of made me just feel like my brothers. Donc, Jesse nous dit, en fait, toute sa famille sont des médecins, des chirurgiens. Donc, il aimait bien jouer justement d'imprégner la peau d'un médecin, d'un chirurgien dans Dr. House pendant 8 ans. Du coup, il aimait bien tout le côté effets spéciaux. Il se sentait vraiment bien chez lui à tourner cette série. Let's come back to Chicago Fire. Laura asked. This is my question. Yeah, what's going on for you this summer? Oh, well, I'm here at Monte Carlo. You see, at Monte Carlo. And you start shooting very soon, right? No, not till July 20th. Okay, so I've got some time. I went back to Australia. I'm going to travel around after we finish with the festival. Okay, il est allé déjà en Australie. Il va voyager un petit peu après le festival. And then I'm going to go hopefully to Costa Rica. Il va aller surf trip, and then I'm going to drive across the States. Il va aller à Costa Rica pour faire du surf, après il va faire un grand gros trip à travers les États-Unis et il va escalader. Pourquoi pas, c'est quelque chose. Yeah, il a 2 mois. Nico says, could you say something in French? Qu'est-ce que tu peux dire en français? Bravo! Un petit peu, comme tout le monde, ah, non? Oui, comme tout le monde, pas comme tout le monde, bravo! J'ai étudié à l'école. Ben voilà, on va continuer. Mais non, j'ai oublié le français. Bravo, hein? Non, tiens, je vais essayer de le faire dire en français. So Maya wants you to say, yeah. Could you say shout out to all my French fans? Okay. I guess you want to do it in English. Allez, en anglais. En anglais, shout out to all my French fans. Thanks for watching. Et en français? Bonjour. Okay. The was. No, you didn't get it. Now we have Ashleen who says, que penses-tu de tes fans à Monte Carlo? What do you think about your fans here? Oh, fantastic. They're, I mean, they're just lovely. They're really, really nice and I've been out there hanging out with them. Yeah. J'aime bien les fans et j'ai pu aller passer un peu de temps avec eux dehors, là-haut. Vraiment, c'est des gens très, très sympas. What's the craziest thing a fan ever did for you? C'est quoi le truc le plus fou qu'un fan a fait? Everyone's been pretty good. I don't really have that many crazy fan stories, which is, I guess, good. But, non, les gens sont assez modérés autour de moi. J'ai pas trop des anecdotes sur les fans fous. Yeah, I mean, in general, I think I got sent a pair of underpants when I was like 18. J'ai pensé quand j'avais 18 ans, on m'a envoyé un slip par la poste. But that's, yeah. But that's because you were in like the big Australian hit. Right, Neighbours. Yeah. Donc Jesse jouait dans en fait, la série Australie en fait, de succès Neighbours. I'm pretty sure it came from the UK. Voilà. I don't think it came from France. Voilà, je pense que quelqu'un m'a envoyé un slip dans le CFA de la France. But maybe now. Oui, peut-être maintenant vous allez m'envoyer des slips, yeah. Voilà, yeah, vous allez voir. Chicago, voilà. Chicago Fire. Voilà, vous l'envoyez à Chicago, voilà, yeah. Chez Chicago Fire. Sonia says, you look good. Are you a fashion addict? Vous êtes beau, est-ce que vous êtes un addict? A fashion addict? No, I'm the worst. Non, je suis le pire. Yeah, I literally, I'm terrible. We end up, everyone gives me
they give me grief on set because I end up, because here's the thing, as an actor, you turn up to set, you turn up to work and you change out of your clothes. So I end up wearing my clothes for about half an hour each day. Do you know what I mean? I put them on in the morning, take it off, wear someone else's clothes, and then put those clothes back on. So I wear those clothes for most of the week. And but they're still clean, you know, in 3 days. So they, so they kind of, I'm the opposite probably of a... Voilà, donc Jesse, yeah. Sonia, Jesse dit... Sorry, that was kind of a long... No, no, it's fine. Jesse, il dit, c'est okay. Tout le contraire. En fait, quand il arrive sur le tournage, bien sûr, il met les costumes qu'on lui donne à la série. Donc ça veut dire qu'il arrive le matin, il porte ses vêtements, il se change toute la journée, il est dans son costume. À la fin de la journée, il se réchange dans son ensemble. Mais il met le même ensemble 5-6 jours. Et tous les autres... américain, en fait, yeah. Il n'aime pas trop que Jesse il porte les mêmes vêtements tous les jours. Et moi, j'ai dit, c'est vrai, c'est pas très américain. Les mêmes vêtements? Oui. Encore une fois, voilà. Tous les jours. Oui, vous comprenez, tous les jours. Ophélie. Oui, c'est vrai. Ophélie, est-ce que c'est difficile de se mettre dans le peau de ton personnage ou c'est naturel? Is it hard to get into your character, isn't it? It's pretty second nature now. Whenever I have difficulty like trying to figure out what Casey would do, we have our fire consultant, Steve Chikorotis, who's a retired chief, and basically Casey's based on him. So when we think what would Casey do, we think what would Chick do, and he's our go-to man. Jesse nous dit en fait maintenant, au bout de quelques années, c'est assez facile, et si jamais il a besoin d'avoir plus d'informations sur comment un vrai pompier sera dans la vie, il parle avec le consultant sur qui son personnage est inspiré pour avoir plus d'infos sur comment un vrai pompier va réagir dans certaines scènes, dans certaines situations. Donc il se base beaucoup sur ce personnage-là. Adrian's got a question. How's Chicago in real life? Comment c'est Chicago dans la vraie vie? Ah, brilliant city. You're from Chicago. I know. Yeah. C'est incroyable comme il dit. Moi, je viens de Chicago. You might be a little bit biased. Voilà. Tous les deux, on est un peu fans de Chicago. Parce que moi, je viens là, ils sont. Yeah, it's a fantastic city. And, you know, the Midwest is, you know, the people are great. It has, it's a very diverse city. There's a lot of culture. They love the sport. And they're very, very passionate people. So it's a perfect backdrop. Chicago, c'est vraiment l'endroit, le lieu idéal pour ces séries. Et les gens de Chicago sont des gens passionnés, ils aiment leur sport, ils sont assez multiethniques, c'est assez divers. C'est vraiment une ville chouette. Juste pour finir sur le sport, une dernière question pour Clara. C'est la dernière question sur le sport pour Clara. Which sport do you watch on TV? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Actually, because we're in Chicago, we like hockey. We're big hockey fans, yeah. I mean, we go to a lot of hockey games. I mean, it's not great to watch on TV, though. It's better in person. Ah oui, il dit qu'il aime bien les matchs de hockey, mais c'est pas très bon à regarder à la télé. C'est beaucoup mieux d'y aller en personne. Black Hawks. Black Hawks. Probably, I mean, Eamon loves football, so whenever he's watching on TV, there's like a couple of pubs in Chicago. Your football? Donc Eamon, avec Eamon, il regarde le foot, en fait, c'est ce que nous, pas le foot américain, mais le foot européen. Donc parfois ils vont dans les pubs et tout ça pour regarder. Are you following your 2016? Yeah, we're going to watch tonight, right? Ah, ils vont regarder le match ce soir. That should be fun. I don't know who they're playing, man. Contre qui joue la France? Albany France, donc ce soir, where are you going to watch that? That's going to be a walkover, isn't it? Ça va être facile pour la France. Bon, Jesse. Surely, don't let me down. Voilà, il ne faut pas, voilà, il faut pas se planter les bleus, hein. Jesse, il compte sur vous. Et voilà, c'est tout, c'est la fin. Merci beaucoup, Jesse. Merci. Thank you so much. Yeah, thanks so much.